s'est passé sur ce rendez-là? Rien, jusqu'au bout. Je vois ça comme un marathon, ça va être long. Ça va être pas tous les jours marrant, c'est sûr. Il va falloir savoir se surpasser, se dépasser. Faire avec ses peurs, certainement, parfois. Donc je vais certainement en apprendre encore un peu plus sur moi. Peut-être que j'aurai à ce moment-là, au retour, des réponses sur pourquoi je fais ça, parce que j'en sais toujours rien, en fait. En plus d'être un voyage géographique, c'est aussi un voyage intérieur, ouais. Ça y est, nous sommes partis des Sables d'Olonne, waouh! Quel moment, quelle émotion, je vous jure. J'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure, et là ça va mieux, je me mets dans la course, et voilà. Ça y est, on y est! Yes! C'est un peu la guerre avant de mettre au coq. Ça va plus 30 nœuds de vent là, je suis au reaching à 18 nœuds, j'en ai encore pour 3 heures à me faire un peu malmener, mais l'option sud ça a l'air pas trop mal en termes de classement pour l'instant. Ça y est, nous à bord de Maître Coq, on a déconfiné le spi. Wouh! Enfin! On va sécher dans les alizés. Wouhou. On est samedi soir et c'est boîte de nuit à bord de Maître Coq. Nous sommes rentrés ce matin dans l'hémisphère sud. Ça y est, nous avons changé d'hémisphère. Ça veut dire qu'on a passé l'équateur. Ici les poissons, ils sont bizarres, ils ont des ailes. Vous avez vu? Des poissons volants. Alors la douche, c'est simple. Du ciel bleu, du beau temps. Un seau d'eau salée pour le premier rinçage. Et deux bouteilles d'eau douce pour le dernier rinçage. Oh, oh là là, que ça fait du bien. On est au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène et j'ai Boris Herman. Juste derrière moi, ça fait deux jours que l'on navigue ensemble et à vue, ça fait plaisir. Ouais, Boris, comment tu vas? Oui, bien, ça fait du plaisir de voir toi à côté, vraiment, parce que ça ressent un peu la régate. Et j'aime bien, comme tu as dit hier, d'avoir la référence. On va réduire un peu la toile, parce que là, bon, c'est un fou pour ce soir. On va profiter qu'il fasse encore jour. Qui va piano, va sano. On va passer sous le petit Génac, on a bien marché aujourd'hui. Et à falaise du Génac. Oups là, ça glisse. C'est parti pour la nuit. Chaque manœuvre... Ça coûte en solo. Allez, aujourd'hui samedi 28 novembre, je crois qu'on y est dans les mers du sud. C'est inconfortable, c'est humide et c'est rapide. Les mers du sud qui nous accueillent pour un petit séjour d'un mois. Voilà à quoi ressemble une journée dans le 40e. C'est une journée d'été. Ouais. Là, je suis à 24, 22. Il y a 5 mètres de vague. Bravo monsieur le cam d'avoir sauvé un copain. Quoi. Vous aussi, vous êtes allé sur zone hein, pour effectuer un quadrillage. C'était pas vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'était compliqué quand même parce qu'il y avait beaucoup de mer et que le radeau c'est pas un élément très grand sur l'eau. Bah, tu cherches quoi? J'ai un minuscule point. Donc t'as les points, bien sûr. Tu dis, on est étudiant. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, mais. C'est long.
Et puis voilà, et puis t'es dehors, t'es trempé, t'as les vagues de travers, t'as 5 mètres de vagues, t'es à fond, tu fermes pas les yeux. Et quand ça retombe, après, bah, c'est dur, ouais. Là, c'est compliqué de remettre le bateau en marche. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle que Kevin soit à bord de Yassikam. Aujourd'hui, c'est du pur bonheur. Ça y est, on a déjà remis des émotions des jours passés et le bateau glisse sur la longue houle des mers du Sud. C'est que du surf. C'est des fois à 25-29 nœuds tout à l'heure. Il se cadre, il part à fond, on glisse. Et tout ça avec un grand ciel bleu. Ah ben voilà ce qu'on est venu chercher. C'est invivable à bord, quoi. C'est... La mer, elle est démontée, le bateau, il cogne dans tous les sens. C'est pas grave de trouver une solution pour ralentir le bateau, parce que ça tape trop, quoi, ça tape trop fort. Te lever est dangereux, te faire un café est dangereux, et tu te cognes dans tous les sens, tu prends des vols. Bah, tu accélères dans les vagues à 30 nœuds, là, et après, il s'arrête. Donc, c'est pas agréable, quoi. C'est pas je suis à ma troisième place, mais ça m'empêche pas de ralentir, d'attendre les copains qui sont derrière. Je préfère ça aujourd'hui que me lancer dans la gueule du loup de cette dépression. Ouais. Tu vis à quatre pattes, t'es constamment en train de te faire valdinguer d'un bord à l'autre du bateau. T'as plus d'hygiène, t'as plus rien, t'es un sanglier, quoi, une vie de cochon. Du vent, et toujours du vent, et encore du vent dans cet océan Indien. C'est le dernier front, dernière dépression de l'Indien. Demain, tout ira mieux. On surveille les rafales à plus de 40 nœuds. Je ne dors pas, je me reposerai plus tard, demain. Là, il faut avancer avec le front. Et essayer un peu de creuser l'écart sur les poursuivants. On est en troisième position et on revient plutôt vite sur Thomas en deuxième et Charlie en premier. Donc, avec un bateau en bon état, avec un bon moral qui lutte avant le départ. Une belle réparation de fête. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut, hein. Mais bon, faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas des alpinistes. C'est la nuit dans le sud. Entre coucher du soleil et lever du jour. Joyeux Noël ! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Premier cadeau, une place en demi-finale, en finale du top 14 au Stade de France le 25 juin. Ben, j'espère que le Stade Rochelet y sera. C'est marrant de découvrir les cadeaux aujourd'hui. Ah, des bougies pour mon anniversaire, pour mon birthday, qui était avant-hier. Du Cap Horn, la longitude, le 2 janvier. Regardez comme c'est beau. Dans une mer démontée avec 45 nœuds de vent et 8 mètres de creux. Parfait quoi, un vrai Cap Horn. Super Yannick. C'est le Cap Horn, t'es en tête du Vendée Globe. C'est énorme. C'est dur. C'est... De ma vie de marin, c'est la plus grosse tempête que j'ai essuyée en mer, je pense. Ces dernières heures de course, ces derniers jours de course m'ont bien assommé. Il y a beaucoup de choses à faire maintenant pour remonter l'Atlantique Sud, ça va être compliqué, donc il faut se remettre dans le bon sens à tous les niveaux, remettre le bateau en état, remettre le bonhomme en état.
que c'est beau. Au revoir les albatros. Quand je regarde ce qui va se passer devant, les soucis à venir, je sais très bien que l'élastique va se raccourcir et qu'ils vont revenir. Hein. Ça va être un peu ambiance un peu Figaro. Je sais que j'ai des experts derrière moi. Mais c'est pas grave, ça sera pas tout de tout repos, mais on va essayer d'avancer vers le but. Il y a une semaine, on se faisait bastonner, on avait froid. Comme quoi la météo elle change vite. Et là, ça y est, c'est l'été. Il n'y a pas de vent. Et ça fait 2 jours que ça dure. Et c'est dur parce que tout le monde est revenu, quoi. Voilà, ça c'est prévu. Et après plus de 60 jours de course, faut avoir le moral. Allez, faut pas baisser les bras. Et pas mal de soucis techniques avec le bateau. Voilà, donc on va faire le dire aujourd'hui parce que on s'est trouvé un peu le masqué et voilà, savoir que lors du passage du Capan, j'ai pris une grosse dépression, j'ai fait un énorme planté qui a balayé toute la place avant du bateau. J'ai plus de balcon, plus d'enrouleur, certaines voiles dont je peux plus me servir. Voilà, c'est vrai que je suis déçu parce que c'est vraiment pouvoir jouer les premiers rôles jusqu'à la fin et voilà, je me rends bien compte que maintenant on va s'accrocher, on va essayer de finir de la plus belle des manières. Avec ce qui nous reste comme matériel en état, voilà. Ce qu'on voit sur les derniers classements, c'est que j'arrive à tenir le rythme des 4 premiers, donc je suis toujours dans le match. Et... Donc le podium est toujours jouable. Non, on vous sentait bien sûr très abattu lorsque vous avez annoncé les difficultés, les problèmes que vous avez eu sur votre bateau. Est-ce que vous avez retrouvé un peu le moral, un peu la niaque? Oui, la niaque, je l'ai toujours eu. C'est vrai que j'étais un peu abattu parce que je suis resté longtemps aux avant-postes du Vendée Globe, entre les problèmes mécaniques depuis le Cap Horn et puis le manque de vent que j'ai eu au large du Brésil, ça commençait à faire beaucoup. Donc voilà, maintenant je suis passé de la position de chassé à chasseur, même si mon bateau n'est pas à 100% du potentiel. Il y a quand même des coups à faire. Alors, est-ce que vous avez quelque part dans le coin de votre tête ces fameuses 10 heures de bonus temps ou est-ce que vous n'y pensez pas trop? Non, je sais que je les ai, mais j'y pense pas du tout parce que on se rend qu'à partir du moment où vous aurez passé la ligne d'arrivée. Donc on s'en occupera après la ligne d'arrivée. Quoi. Les deux sables de l'ONE prévu dans 30 à 40 heures. Je suis en train de tout donner pour arriver le plus vite possible, bien sûr, mais on va essayer avec les compensations de temps d'être sur le podium. On va peut-être même jouer à la victoire, donc c'est un pont. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner, quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude au total à. À ça, quoi. Ouais, c'est au-delà de mes attentes et puis voilà, et puis le finish il est top quoi. Avoir galéré comme on a galéré pour finir comme ça en apothéose et apporter une victoire à Maître Coq, pour moi c'est un rêve quoi.